après Rio de Janeiro, Ibiza, Paris, New York, Miami, Acapulco et Séoul, bienvenue cette année sur la Côte d'Azur à l'Acropolis de Nice pour le concours international modèle 96. Ce soir, 79 candidates venues de 52 pays concourent devant vous pour devenir mannequins professionnels. Considérée comme une exception par les plus grands stylistes, elle fait aujourd'hui la couverture des plus grands magazines de la planète. Top parmi les tops, elle est devenue symbole de classe et d'élégance. Elle est l'incarnation de la mode actuelle. Nous ce soir, Karen Mulder. Avec nous aussi ce soir, un autre top modèle qui sait mettre sa beauté au service des styles les plus contemporains. Mesdames et messieurs, Amber Valletta. Et pour présenter cette soirée, j'appelle Frédéric Mitterrand et Linda Hardy. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Amber. Bonsoir. Alors, lorsqu'on m'a demandé de présenter cette soirée, je savais évidemment que je serais merveilleusement bien entouré, mais j'ai aussi pensé que c'était peut-être une bonne action. Une bonne action parce que nous avons là 79 jeunes filles qui viennent du monde entier et qui vont vivre une compétition qui va être très très importante pour elles. Elles vont rentrer dans l'histoire de la mode. Elles vont rentrer dans cette longue lignée des grands mannequins qui ont tellement eu d'importance pour la mode parce qu'elles étaient les partenaires des grands couturiers, parce qu'elles étaient les partenaires des grands photographes. Et nous nous sommes dit avec Linda qu'il n'y avait pas d'effort trop grand, qu'il n'y avait pas d'attention trop grande à consacrer à ces jeunes filles que nous allons voir. Alors Linda, je sais que vous aviez une question à poser à Amber et à Karine au moment où justement la compétition va commencer. J'aurais voulu vous demander, je crois que vous avez eu un petit aperçu des candidates, ce que vous en pensiez. Bah, c'est comme toutes les années, en fait, à chaque fois, chaque année, on a l'impression qu'elles sont encore plus belles, quoi. Il y a tellement de belles filles, c'est difficile de les choisir. Chaque année, c'est pareil. J'imagine que vous devez sentir un sentiment de solidarité à leur égard, parce qu'elles vont vivre quelque chose que vous avez peut-être vécu, ou que vous avez peut-être traversé, et qui va être très, très
moving, très très fort. Oui, en fait, moi j'ai commencé dans le concours d'élite et je comprends très bien ce qu'elles ressentent sur le moment parce que c'est vrai que c'est impressionnant de monter devant une salle pleine de gens et puis c'est peut-être un début de carrière. Amber, vous disiez tout à l'heure dans les coulisses, I feel for them. I feel it very strongly. je ressens très très fortement ce qui va leur arriver. Yeah. You really do, hein? Yeah, well, I understand being up here, it's nervous. And there's so many of them and you have to make a decision and... It's tough. Elles sont nombreuses. Oui, et c'est vrai que c'est difficile pour le jury de prendre une décision, donc c'est toujours difficile pour elles, c'est beaucoup d'émotions. Alors on va vous présenter le jury, mais en attendant on va demander à Karine et Amber d'aller rejoindre le jury, parce que Karine et Amber font partie du jury. Voilà, à tout à l'heure, on peut les applaudir. À tout à l'heure, Amber, Sarah. Parce que je dois dire, comme marraine pour commencer, c'est quand même pas mal. C'est très très bien. Alors Linda, le concours. Alors, ce soir, le modèle 96 regroupe au total 79 candidates. Elles viennent des 5 grands continents. Elles ont 50 nationalités différentes. Et parmi elles, notre jury va en sélectionner d'abord 15 finalistes. Parmi ces 15 finalistes, toutes sont destinées à une carrière de mannequin. Et au-delà des 15 finalistes, le jury en sélectionnera 3, qui seront les 3 grandes gagnantes, qui sont destinées à une grande carrière de top modèle. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que Linda vous a bien expliqué toutes les règles de cette compétition qui va se dérouler sous vos yeux. C'est-à-dire qu'il y a eu un énorme travail de préparation dont on va reparler dans la soirée, mais la compétition va se dérouler avec nous, tous ensemble, et avec le jury. Ce qu'il faut voir, c'est que... les résultats du jury ont une importance énorme parce qu'ils accélèrent considérablement la carrière de 15 jeunes filles et notamment de 3 d'entre elles. Mais celles qui ne gagnent pas ce soir, elles gagnent aussi quelque chose de très important. Elles ont passé des jours et des jours avec des gens qui se sont consacrés à elles avec énormément d'attention et énormément de gentillesse. Elles ont appris énormément de choses. Elles ont appris ce que c'est qu'un défilé, comment marcher, comment se présenter. Il y a souvent dans les compétitions quelque chose d'un peu triste. On se dit, ah, ceux qui ne gagnent pas, etc. Mais non, tout le monde gagne et il y en a qui gagnent un peu plus tout de suite. Alors, avant de découvrir qui seront les Karine Mulder ou les Amber Valletta ou les Linda Hardy des années 2000-2001, je vous propose tout de suite de découvrir le jury. Chef d'entreprise, 20 ans d'expérience dans le parfum, Jean-Pierre Grivory. Créateur d'images, de la publicité au défilé du bicentenaire 1989, Jean-Paul Good. Un des plus grands stylistes parmi les jeunes créateurs, Azzedine Alaïa. Un des photographes de mode les plus diffusés depuis les années 70, Helmut Newton. Top modèle des plus prisés par tous les professionnels de la mode, Amber Valletta. Un des mannequins qui marquera la décennie, Karen Mulder. Le père de la plus grande agence de mannequins au monde, porte-parole du jury, John Casablanca. Déjà parmi les plus grandes, une année seulement après son élection, Sandra Wagner. À la tête du plus grand complexe de management de mannequins européens, Gérald Marie. Il a certainement photographié le plus grand nombre de stars actuelles, Patrick Demarchelier. Voilà, alors vous les avez vus, tout souriant à l'image. Là, ils sont un petit peu moins souriants parce qu'ils vont quand même avoir des responsabilités à prendre. Oui, ils vont devenir très souriants quand ils vont voir toutes les candidates. Oui, mais enfin, pour l'instant, ils ont l'air concentrés. Regardez-les, là, ils ont l'air extrêmement concentrés. Ils ont normalement des petits blocs sur lesquels travailler. Et alors, donc, on va commencer par ce côté-là. Et donc, permettez-moi de vous présenter M. Patrick Demarchelier, un des plus grands photographes du monde. Patrick Demarchelier. Je vous présente maintenant M. Gérald Marie, président d'Elite Europe.
un pro, quoi. En quelque sorte, un professionnel. À côté de lui, une adorable créature, Sandra Wagner. Sandra Wagner qui a gagné la compétition l'année dernière et qui, par solidarité avec toutes les jeunes filles de ce soir, est venue les retrouver. Sandra Wagner. À ses côtés, Monsieur John Casablanca, président d'Élite Internationale et ce soir, porte-parole du jury. Porte-parole du jury, donc très important. Et à côté de lui, le petit nouveau de la soirée que nous avons récupéré d'une manière inattendue. Qui est une grande surprise. Et c'est un grand honneur pour nous et nous sommes très heureux de vous avoir ici. Et c'est Linda qui va vous présenter parce que vraiment, elle sait. Je ne sais pas si je sais, mais je sais que c'est un grand invité que nous recevons ce soir. Je vous demande de faire une grande ovation pour Monsieur Peter Lindbergh. Monsieur Peter Lindbergh, un des... Karen Mulder, bien évidemment, à côté de Peter Lindbergh. Bon, Karen, on ne la présente pas, on l'a vu tout à l'heure, on va la revoir. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que Karen a fait la compétition il y a quelques années. Karen est dans la profession une des personnes les plus aimées et les plus respectées pour ses qualités professionnelles, pour sa gentillesse. Et je pense que vous aurez l'occasion ce soir, mais d'ailleurs, vous avez vu rien que la manière dont elle se présente, vous avez eu l'occasion de remarquer quelle personne rayonnante elle est. Karen Mulder. Et modeste avec ça. À côté, Amber Valletta. Helmut Newton est le voisin de la ville de Nice. Helmut Newton a fait aussi beaucoup pour cette région, à travers les photos où il a pris des mannequins dans les hôtels, sur les plages, dans les lieux publics, en magnifiant toujours la beauté de cette région. Bienvenue, cher Helmut, et c'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir. Alors, Azdine. Azdine Alaya. Alors, on ne présente plus Azdine Alaya. Alors... Grand designer. À côté de lui, Jean-Paul Goud. Je vais le présenter comme photographe. Tout le monde sait que c'est un photographe génial et tout le monde sait qu'il a eu encore obtenu à Perpignan il y a quelques jours un prix amplement mérité pour les photos admirables qu'il a faites recomposées des Jeux Olympiques. Mais Jean-Paul Goud aussi, pour le grand public, c'est évidemment l'homme qui a fait la parade célèbre du 14 juillet, d'un inventeur de formes et un inventeur d'images. Et c'est aussi, permettez-moi de vous le dire comme une notation personnelle, quelqu'un d'absolument exquis. Je peux vous dire que tous les gens qui sont là dans le jury, je les accable de compliments, mais franchement, ils les méritent. Monsieur Jean-Paul Goud. Et enfin, pour terminer, notre dernier membre du jury, monsieur Jean-Pierre Grivori, PDG des parfums Salvatore Dali. Voilà. Alors maintenant, vous apercevez qu'à côté de l'exquise Amber Valletta et de Karine, vous apercevez qu'il y a une place qui est vide. Alors, à côté d'Amber, la place vide. Le président de notre jury. Voilà. Alors Linda commence. Alors le président du jury ce soir est un grand monsieur. C'est un très très grand nom du monde du spectacle international. Il a été le producteur de 3 albums très très importants pour Michael Jackson. Et aussi Linda qui... Linda évidemment elle fait partie de la génération qui ont grandi avec Michael Jackson. Mais moi je suis beaucoup plus âgé. Et donc moi j'ai grandi aussi avec Frank Sinatra. J'ai grandi aussi avec Count Basie. Et puis j'ai grandi avec Miles Davis. Et à chaque fois... ont tombé sur ce personnage qui pour moi était un personnage mystérieux, un personnage d'une très très grande importance, dont on voyait que c'était lui qui était au cœur de la carrière, que c'était lui qui était au cœur des arrangements. Un immense producteur, un immense compositeur de musique pour les films,
Le célèbre We Are the World, c'est lui. C'était lui. Le célèbre Fly Me to the Moon qui a été joué sur la Lune, c'est lui aussi. Et donc, pour que vous ayez son nom sur les lèvres, je vous propose tout de suite de retrouver nos lauréates qui vont lui rendre un hommage sur la musique de Michael Jackson. Permettez-moi de recevoir en votre nom à tous et de votre part ce grand ami qui est ici chez lui, Monsieur Quincy Jones. Bonsoir et bienvenue. Merci, Quincy. Maintenant, je déclare la soirée Model 96 officiellement ouverte. Merci, Quincy. Alors, laissez les bons temps aller. Merci. Alors, cher Quincy, nous allons regarder quelques images des précédents de compétition, des précédentes compétitions, pendant que vous regagnerez votre place. We are going to see some pictures of the last competitions before, while you get back to your seat, Mr. President. Thank you very much. Merci. C'est extraordinaire, il a compris mon anglais. C'est extraordinaire. Rétrospective. Voilà. On présente le plus grand concours de mannequins a sélectionné 200 finalistes. Parmi les 4 500 000 plus belles filles au monde. Mais les tops de maintenant n'étaient pas toujours les gagnantes. 1983, Acapulco. My name is Cindy Crawford, I'm from Chicago, Illinois. My name is Stephanie Seymour and I come from San Diego, California. Mais Lisa Hollenbeck terminera première. 1985, Île Maurice. C'est la consécration pour la Hollandaise Frédérique Van der Waal. Cette année-là, trois filles termineront ex aequo en troisième finaliste. 1986. Sous le soleil d'Italie, Karen Mulder ne terminera que deuxième du concours parmi 57 finalistes. 1987, Sicile. La quatrième édition du concours international réunit maintenant 29 pays au pied de l'Etna. 1988, Japon.
sous l'œil attentif de David Copperfield, la finale est remportée par Kelly Brown, qui se métamorphose d'étudiante en top modèle. Paris consacre une Espagnole, Inés Sastre. Âgée seulement de 15 ans, elle va vite conquérir les couvertures des magazines internationaux pour passer tout récemment au cinéma devant la caméra d'Antonioni. 1990, Brésil. Les 46 participantes du concours international de Rio ont été sélectionnées parmi 75 000 filles du monde entier. Cindy Crawford déclare la néerlandaise Wendy Velduis gagnante. 1991. C'est une année particulière. Le jury de New York ne retiendra que 10 finalistes au lieu des 15 habituels. 1992, à nouveau New York. Le jury est décidément bien difficile. Seules 12 filles resteront en finale. L'Israélienne Amit Machtinger se fait déjà remarquer, mais Marianne Molsky emportera la finale. 1993. Le soleil de Miami révèle 4 futurs grands mannequins. La Danoise Heidi Albersten, l'Américaine Alice Dodd, la Russe Tatiana Zavialova et surtout l'Argentine Inés Rivero. 1994, Ibiza. Devant un jury composé en partie de Linda Evangelista, Kristana Loken et Karen Mulder, les nouveaux talents arrivent. Natalia Semanova est élue. No, no, we don't die. Yes, we must. 1995, Corée. Après d'impitoyables éliminatoires dans 45 pays, Séoul installera dans le rang des top modèles la Suissesse Sandra Wagner. 1996, Nice. Alors, j'espère que ça va être un aussi bon cru. Nous, on a évidemment suivi les répétitions. Il faut bien vous dire qu'on a essayé de reconstituer exactement l'atmosphère des veilles de collection, des défilés de collection, de manière à ce que les jeunes filles se retrouvent exactement dans cette situation-là. Donc, je vous propose tout de suite, Linda, de voir... De les découvrir. Voilà. Les 20 premières vont défiler devant vous. Les 20 premières jeunes filles de modèle 96. Florencia, Argentine. Rikke, Danemark. Yeni, Indonésie. Laura, États-Unis. Sarina, Suisse. Gabriela, Roumanie. Paulina, Finlande. Denitsa, Bulgarie. Yasmina, Slovénie. Vienna, Ukraine. Bao, Vietnam. Oh,
Ujwala 1. Mariana, Slovaquie. Vanessa, France. Amelia, Canada. Daniel, Canada. Anima, Hongrie. Rosemary, Hong Kong. Xin, Chine. Et Sophie, France. Alors je vais vous demander de les applaudir vraiment fortement parce que il faut bien voir, oui, il faut bien voir que ces jeunes filles viennent, comme vous l'avez pu le constater en lisant sur les écrans, elles viennent d'un nombre de pays impressionnants. Elles ont fait des voyages qui sont inattendus pour elles. C'est la première fois, très souvent, qu'elles sortent de leur pays. Elles se retrouvent en France. Enfin, tout ça est très, très compliqué, car ces jeunes filles sont jeunes. À quel âge commence-t-on véritablement à être un mannequin qui travaille beaucoup, Linda? Écoutez, je pense qu'il faut à peu près 2 à 3 ans pour qu'un mannequin, après avoir débuté, puisse entamer une grande carrière. Parce que pendant ces 2 ou 3 ans, elle apprend beaucoup de choses et elle acquiert la maturité nécessaire. C'est-à-dire vers 20 ans, en fait. Ça peut être 18, 19, 20 ans, tout dépend l'âge à laquelle elle commence le métier. Bon. Alors je vous propose tout de suite de voir une parmi ses apprentis, une parmi ces jeunes filles qui viennent du bout du monde, grâce aux cartes postales qui ont été réalisées. Et je vous propose tout de suite d'aller voir une des épreuves de sélection, Hong Kong. J'habite Hong Kong et j'adore cette ville. Ma mère est chinoise et mon père français. Hong Kong est très moderne, mais une longue histoire. On peut y voir les 9 dragons formés par les montagnes. Dans ces montagnes, on y trouve des petits coins où il y a des temples. Quand vous allez à ces temples, il y règne une vraie plénitude. Vous y trouvez le temps de penser à votre avenir, paisiblement. C'est un lieu magnifique où aller quand tant de choses se mêlent dans votre tête. Mon but dans le mannequinat, c'est de réussir à captiver le regard des gens. Marcher comme un chat, c'est très amusant. Et les séances de photos au rythme de la musique, c'est très amusant aussi. Être mannequin est un travail sympa, mais néanmoins très dur en coulisses. Je suis rentrée dans la compétition, j'ai été choisie, et maintenant je suis ici. Lorsque j'ai gagné à Hong Kong, on m'a mis en première page, et j'ai beaucoup apprécié le titre. Elle a le look. Aller à Nice, c'est extraordinaire. Et je suis sûre que je vais beaucoup m'y amuser. C'était une des candidates de Hong Kong. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je trouve que Hong Kong, ça ressemble un peu à Nice. Quand on voit les images, les palmiers, la mer, enfin tout ça, c'était tout à fait magnifique. Alors maintenant, Linda, que se passe-t-il? Et maintenant, nous allons découvrir 20 autres jeunes filles, lauréates, qui vont défiler devant vous et se présenter au jury. Mesdemoiselles. Suzanne, Australie. Suzanne, Australie.
Victoria, Espagne. Inès, Autriche. Veronica, Italie. Olga, Russie. Ilse, Lituanie. Magdalena, Pologne. Noufar, Israël. Sylvia, Afrique du Sud. Natacha, Yougoslavie. LA, Angleterre. Darina, Canada. Junko, Japon. Bess, États-Unis. Shakara, États-Unis. Sonia, Canada. Lindsay, États-Unis. Cathy, États-Unis. Et Ragnaydou, Islande. Voyez pas, c'est que nous les voyons quand elles reviennent. Et alors, elles nous font des on les voit descendre, vous les voyez arriver, elles ont le trac quand même. Mais quand elles reviennent, alors elles sont hilares. Je dis, j'y suis arrivé, j'ai passé le cap du défilé, etc. Et c'est tout à fait charmant de voir entre le départ et l'arrivée, mais nous on a droit à l'arrivée. Alors je vous propose maintenant de faire une petite visite vers une autre carte postale, c'est-à-dire d'aller où, Linda? Au Canada, non, je crois? Tout à fait, nous partons vers le Canada. Ah. C'est ici que j'habite. Ça s'appelle l'île Saint-Joseph. C'est situé sur la rivière Saint-Marie entre le lac Supérieur et le lac Huron. J'ai déménagé ici à l'âge de 2 ans et j'y ai toujours vécu depuis. C'est un endroit merveilleux pour grandir. J'ai donc été l'une des filles sélectionnées pour représenter le Canada. Ça veut dire beaucoup. J'aime réellement le dynamisme des séances de photos. J'aime quand les gens sont tout enthousiastes de me voir sur une photo. Quand je leur fais vendre leurs produits ou que je leur améliore leur magazine, ça me fait du bien à l'intérieur. Quand je rentre chez moi, j'essaie de passer le plus de temps possible avec ma famille parce qu'ils comptent beaucoup pour moi. Mes frères et sœurs grandissent si vite.
Quand je suis loin, toutes ces petites choses que j'ai l'habitude de faire me manquent beaucoup. J'aime me retrouver avec moi-même, simplement pour me promener dans la nature et profiter des paysages magnifiques. J'ai toujours adoré l'eau. Depuis que je grandis sur une île, j'aime faire de la voile. C'est grisant d'aller vite, les cheveux dans le vent et le soleil qui réchauffe. C'est si relaxant, c'est si beau de rester seule sur l'eau et de regarder l'île. J'espère y aller et faire de mon mieux pour moi, ma famille et pour tous les gens qui me soutiennent. Je pense que ce sera très excitant. Et maintenant, nous vous proposons 20 jeunes personnes qui vont encore défiler devant vous. C'est-à-dire que nous arrivons maintenant, nous passons de 40 à 60. On se rapproche de la fin. Tout à l'heure, on va demander au jury ce qu'il en pense. Mais pour l'instant, nouveau défilé, 20 jeunes filles, c'est à vous. Cécile Franck. Laurence Belger. Andrea Bolivie. L'aîné Danemark. Katia, Grèce. Maria, Suède. Valérie, Singapour. Erin, États-Unis. Tatiana, Russie. Jill, États-Unis. Alushka, Hollande. Petra, République tchèque. Nathalie, Allemagne. Kelly, Estonie. Elinor, Belgique. Vesna, Macédoine. Michel, Brésil. Anna, Brésil. Catherine, Argentine. Et Philippa, Guinée-Bissau. Véritablement le nombre impressionnant de nationalités qui sont représentées, je crois que c'est 52 ou 54.
Il faut se dire qu'il y a plus de 6000 jeunes filles qui ont souhaité participer à cette compétition, et depuis que la compétition existe, depuis 14 ans, ça fait un nombre impressionnant de jeunes filles qui ont voulu participer et qui se sont intéressées. Je crois qu'elles étaient au départ 350 000. Oui, je veux dire, il y a eu un monde incroyable qui s'est, un nombre de jeunes filles incroyable qui s'est intéressé à cela. Et donc, les jeunes filles que vous avez ici, ce sont celles qui ont déjà véritablement une motivation très, 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 très forte pour faire ce métier. Alors, je constate que les membres du jury sont extrêmement sages, qu'ils prennent des notes avec beaucoup d'attention. Amber est absolument souriante, elle se cache derrière son journal, comme Karine, toutes les deux, très sérieuses. Le président a l'air extrêmement sage aussi, il prend des notes avec son stylo. Alors Linda, quel est le moment le plus fort dans une vie de mannequin? Il y a beaucoup de moments très très forts, mais pour un mannequin, notamment quand il débute, une séance de photos réussie apporte toujours un grand enthousiasme. Et puis, bien sûr, la carrière d'un mannequin, ce sont les couvertures. Donc sa première couverture, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Moi qui ai toujours eu que 3 couvertures chez moi, et je dois dire que l'idée d'avoir sa première couverture, ça fait vraiment plaisir. Bon, c'était une plaisanterie qui n'était pas très très drôle, mais enfin, c'était une notation personnelle. Je propose tout de suite de vous emmener, après ces 3 couvertures personnelles et toutes les couvertures que Linda a pu avoir, je vous propose d'aller tout de suite faire un grand voyage et d'aller dans un de ces pays exotiques auxquels nous pensons malheureusement pas suffisamment. Il s'agit de la Bolivie. 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 La Bolivie, c'est un climat différent, une géographie différente et une population différente. Nous avons ce mélange de cultures inca et espagnole. Les gens sont très heureux, s'amusent et sont si chaleureux qu'ils vous donnent tout ce qu'ils ont. Je ne voudrais pas vivre ailleurs. La Bolivie, c'est chez moi. Et même si je suis consciente que nous n'avons pas une technologie ou une mode comme dans d'autres pays, c'est que les gens sont si gentils que c'est merveilleux d'habiter ici et d'être bolivienne. J'ai toujours été très proche de ma mère, donc j'ai toujours eu cette relation privilégiée de rire et de joie partagée. Je lui dis tout, elle est ma seule réelle confidente. Être un vrai mannequin, un bon, c'est beaucoup de travail. Je pense que c'est le rêve de toutes les filles, non? Quand je me regarde dans le miroir, je me dis, oh, j'espère, j'aimerais être en couverture de ce magazine. Mais c'était plus que je n'attendais. Je ne pensais pas dépasser cette limite qui était de passer les frontières de la Bolivie et de le faire comme une profession à travers le monde. Donc, maintenant que j'en sors, c'est un miracle. J'aime ça. Maintenant que j'ai cette opportunité, je ne la laisserai pas s'échapper. Voilà, c'était une petite carte postale de la Bolivie, ça donne vraiment ça donne envie d'y aller. Je vous signale que la jeune concurrente qui s'exprimait là est d'ailleurs dans tout le groupe, comme toutes les autres que vous aurez pu voir ce soir. Et je propose tout de suite que nous voyons encore 20 jeunes filles au Fully Nice. Les 20 dernières. Ou au Fully Nice. Au Fully Nice. À la française. 20 jeunes filles. Musique. Dania, Thaïlande. Jenny, États-Unis. Scarlett, Autriche. Coar, Liban. Christina, États-Unis. Sarah, États-Unis. Isabelle, Brésil. Ouigou,
Turquie. Charité, Philippines. Shirley, Malaisie. Tatiana, Portugal. Daniela, Uruguay. Act like you know, G-Go. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Uh-oh. Nina, Croatie. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still living like that. Suzanne, États-Unis. Megumi, Japon. Mi, Corée. Lina, Lituanie. Norvège. Lorraine, États-Unis. Et Marilyn, France. Mais c'est bien, vous commencez à applaudir là, hein? Je sens qu'en plus là-haut, il y a quelques matous qui sont un petit peu agités, ce qui est quand même très très bien. Parce que c'est ce qu'il faut, c'est ce qui aide toutes ces jeunes filles dans le travail qu'elles font et dans la présentation qu'elles font, pour laquelle elles ont beaucoup de courage en surmontant leur trac. Alors, il y a une chose, Linda, moi, qui me touche vraiment, c'est quand je vois un tel Croatie, un tel Guinée-Bissau, un tel Liban, etc. Ça, je pense, ça doit être une chose qui est très, très agréable, très intéressante dans ce métier, c'est de rencontrer des jeunes filles, des mannequins, etc., qui viennent de tous les pays. Oui, c'est vrai qu'on peut dire que le métier de mannequin est vraiment un métier sans discrimination aucune. Vous avez des jeunes filles, qu'elles soient de n'importe quel continent, une jeune fille qui veut devenir mannequin peut devenir mannequin. Et c'est toujours très enrichissant personnellement pour un mannequin de voyager, de rencontrer des gens différents, de découvrir des cultures différentes. Ça fait partie d'un des aspects très très agréables de notre métier. C'est une des choses dont nous pouvons apprécier les bienfaits ce soir en voyant toutes ces jeunes filles qui viennent de 54 pays. Je vous propose d'ailleurs tout de suite de rejoindre un des pays qui est assez largement représenté ce soir, puisqu'il y a 12 jeunes filles qui en viennent, bien sûr. Nos chers États-Unis. États-Unis. Lauren Bowles est une jeune fille de 14 ans qui vient de Los Angeles en Californie. Nous avons des parcs d'attractions. Quelquefois, j'ai pensé devenir mannequin. D'autres fois, je n'y pensais plus. J'étais à la fête de mon ami Eden, que j'ai failli rater d'ailleurs parce que ma chambre n'était pas rangée. Et son cousin Kenny a demandé le numéro de téléphone de ma mère pour lui demander si je pouvais rentrer à l'agence.
My friends like my career. Mes amis aiment ma carrière. I want a model until je voudrais être mannequin jusqu'à l'âge de 26 ou 27 ans and then I'm going et ensuite to devenir avocate. It would mean a lot to me if I cela représenterait beaucoup pour moi si je gagnais, mais je n'aime pas les compétitions. Dans les prochaines années, elle continuera à être mannequin si elle le peut. Oui, c'est ça, Lauren Ball, c'est elle. Je pense que tout ce que vous avez vu là a dû vous intéresser parce que vous avez senti quelques-unes des lignes de force de cette soirée, des jeunes filles qui viennent avec énormément de motivation et énormément de courage, qui se lancent dans cette aventure, des jeunes filles qui sont tout d'un coup, deviennent des créatures extrêmement sophistiquées et puis qui restent en même temps ce qu'elles étaient il y a deux mois ou trois mois quand elles ont commencé les compétitions. Et tout ça, c'est très, très riche et tout ça, c'est très, très émouvant. C'est émouvant parce qu'elles ont beaucoup, voilà. Beaucoup de courage. Voilà. Et je sens d'ailleurs que le jury est en train maintenant de mesurer tous ces enjeux parce que nous entamons une phase particulière de la soirée de ce soir, le moment où le jury va commencer à voter, ayant bien vu chacune des jeunes filles qui font partie des 79 finalistes de cette soirée. Finaliste, lauréate déjà, parce que le fait d'être ici, c'est déjà être un peu lauréate. Alors comment ça s'est passé d'ailleurs exactement, ces finales, Linda? Le jury va sélectionner 15 finalistes. Oui. Et c'est effectivement ce qui se passe dans chaque pays. Un jury de professionnels est présent lors du concours pour sélectionner la gagnante. Voilà. Et pour que vous puissiez comprendre exactement le déroulement d'une finale, de ce qu'est une finale, nous avons choisi de vous présenter un sujet sur la finale française. La finale française. Alors la finale française, la finale française, oui. Je ne sais pas ce que je voulais rajouter. Moi, j'ai toujours envie de rajouter quelque chose, mais j'ai tort. Hein? La finale française, la finale française. Allez, la finale française. Some bombastic, romantic, fantastic lover, Mr. Lover, lover. Mr. Lover, lover. Je suis arrivée au concours par l'intermédiaire d'une agence de Marseille où je me suis inscrite il y a un mois ou deux en faisant la préélimination à 40 degrés à Londres. Fantastic, put me on my box, she says I'm Mr. Romantic, I'm a fantastic, put me on my box, she says I'm Mr. Smooth. Just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover. Chaque jour, il y a trois filles. À la fin de la semaine, le vendredi, il y a une finale. Et il y a exactement quatre filles. Des quatre filles, il y a la finaliste de la semaine. Une fois, j'étais éblouie par le travail d'une maquilleuse. Et sur les photos, j'arrivais pas à me reconnaître. C'est très excitant. Et c'est la façon de l'exprimer. Plus le caractère que la beauté en elle-même. Il y a certains photographes qui demandent certaines poses, il y en a qui aiment les maquillages très chargés, des poses complètement folles, il y en a d'autres qui, au contraire, c'est très strict. Ça dépend des gens en fait. On fait suivant le photographe. J'ai écrit sur les conseils de mon docteur. C'est très dur et ça fait très mal aux pieds. Bon, ben, c'est dur parce qu'on a la lumière dans la figure, on a le ventilateur, déjà les photographes, c'est impressionnant, les stylistes, tout ce monde, c'est une première. Now it's gotta be told that what we have is more than just physical. Don't be so cynical. Je pensais que les filles, quand elles posaient, c'était naturel, que ça avait le feeling. Mais en fait, c'est toute une technique qu'il faut apprendre. Il faut savoir s'imaginer la pose qu'on a dans la tête. Il faut savoir bouger, il faut savoir avoir une expression dans le regard, sur la bouche, dans les gestes, dans les mains, enfin partout.
les quatre gagnantes dans un ordre qui n'est pas préférentiel. Cécile Ramy. Sophie Benoît. Vanessa Carton. Marilyn Grinda. Elles étaient donc quatre Françaises à défiler parmi les 79 candidates que vous avez vues ce soir. Alors, pendant que le jury est en train de délibérer, en train d'échanger des petits papiers, on voit, c'est comme le furet, on voit les papiers qui passent dans le jury. Pendant qu'ils sont en train de délibérer, on va essayer de regarder un petit peu plus précisément ce que le jury peut attendre des jeunes candidates. Et évidemment, on va d'abord regarder la première épreuve reine, l'épreuve reine en quelque sorte, qui est le défilé. Alors, Linda, quelle impression avez-vous gardée de votre premier défilé? La première fois qu'on défile, comment ça se passe? Lors de son premier défilé, on a toujours peur ou de tomber, si on a une robe longue, de marcher sur sa robe, etc. C'est toujours énormément d'émotions. Et puis, en même temps, quand un couturier vous a choisi et que vous vous retrouvez avec des jeunes filles, des jeunes femmes, des mannequins qui ont beaucoup plus d'expérience que vous, c'est évident que vous avez un petit peu peur. On sent la responsabilité. On sent la responsabilité. On a envie de rendre honneur au couturier qui vous a choisi. Bien sûr. Alors, je vous propose de voir tout de suite, une jeune femme que vous connaissez, que vous admirez beaucoup, qui va nous montrer comment on peut savoir défiler. Mais tout de suite, on va voir d'abord des images d'elle et après, on va la retrouver. Images, belles images, de la magnifique Inès Rivero. À droite, juste au fond. C'est des filles peut-être qui ne savent pas très bien marcher, mais sans quelque chose. Alors c'est quelque chose, c'est la personnalité. En fait, c'est ça maintenant la mode. Qu'est-ce qui s'est fait? Mais la beauté, c'est pas simplement une fille très belle avec une nez toute petite, avec des yeux, tu vois. Simplement, tu fais ce que tu as envie de faire. Je t'ai trompé, c'est une autre fille. Mesdames et messieurs, nous recevons ce soir Inès Rivero. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Inès va défiler pour nous et puis elle va nous retrouver ensuite. Parce que moi, quand je l'ai vue arriver, je n'ai pas pu m'empêcher de sauter sur elle. Donc, Inès, à vous. Voilà. Let me kick my credentials. A young player bred in South Central LA, home of the body band. You want to die where? You want to come around? Merci Inès. Je suis désolé, je vous ai un petit peu gâché les choses parce que quand je vous ai vu descendre, je sais pas, j'ai eu un mouvement d'affection pour vous et donc j'étais comme un petit chien dans un jeu de quilles. J'ai venu introduire du désordre alors que vous étiez en fait censé faire votre défilé tout de suite. Mais on a vu des images de vous qui étaient tellement belles. Et puis c'était tellement touchant de vous voir arriver que je n'ai pas pu m'empêcher. Voilà. Alors, lo siento mucho. Je le regrette beaucoup. Je parle un petit peu espagnol à Inès parce qu'Inès est argentine et qu'elle a en plus cette chose tout à fait exquise, c'est qu'elle parle le castillan avec un léger accent argentin, ce qui est très très joli. Inès, est-ce que vous avez fait le concours? Oui, je l'ai fait en 93 à Miami. Et malheureusement, j'ai tombé malade. Oui. Toutes les semaines. Ah oui. Donc, malheureusement pour eux. Hein, c'est eux qui ont raté quelque chose. Mais finalement. Finalement, j'ai pas gagné. J'étais pas dans les 15 finalistes. Mais j'ai vraiment envie de travailler. Finalement, vous avez rattrapé ce retard. Ouais, donc ça veut dire que personne ne perd.
personne ne perd. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on a une motivation très forte, personne ne perd. Alors je vous propose tout de suite de voir maintenant un petit sujet qui va tout à fait dans le sens de ce que nous sommes en train de faire. C'est un sujet qui porte un nom difficile. J'espère que M. Toubon va nous pardonner, puisqu'il s'agit du relookage. Pas le relookage, le relookage. Alors qu'est-ce que c'est que le relookage? Le relookage, c'est la transformation des candidates, des lauréates donc, de ce soir. Certaines se sont fait couper les cheveux. Et puis évidemment, le maquillage, la mode et un mannequin n'existent pas. Tous. Sans maquillage, donc. Oui, tous ceux dont j'aurais besoin, en quelque sorte. Sujet relookage. Moi, je couperai une ou deux mèches par là. Ce truc qui bifurque, ça dérange bien, pas. Je sais que c'est pas, mais c'est bien. C'est bien ? Ouais. Tu fais juste quelques pas pour nous, jusqu'à là-bas, et tu reviens. Ah, ok, et elle, on va lui couper juste le... Oui, oui, surtout, oui, au revoir, simplement que ce soit bien. Voilà. Ok. Ok. Thank you. Bon, ici, c'est pas la Californie, on n'a pas de tremblement de terre, le sol il bouge pas. Hein. Je peux pas avoir un truc comme ça, les filles, d'accord hein. Les yeux bien droits et hop. Ça dépend. Alright, lots of attitude, lots of swinging, lots. Je fais 1m75 et puis un autre jour, je fais 1m76. Bon, on va dire 1m75 et demi, comme ça on est. Now that I understand beauty of a day left to hand me down. When you need a place to live and no one understands you. All you want to do. Ok. Tu serais inquiète si on te coupait, je sais pas, trois doigts? Mais je comptais les couper, mais ça dépend de ce qu'ils vont me dire, on verra bien. Try to cross your legs. Tu marches en croisant davantage. Regine. Les deux dernières et ensuite on essaye les trois en même temps. Hein. Et j'aime ce pays. J'aimerais rester pour y vivre. But you can't tell me. How old are you? Mess it up. Quelques idées, quelques images de toute la transformation que l'on peut faire avec toutes ces jeunes filles. Mais il faut bien penser qu'aucune transformation n'arrive à rien s'il n'y a pas derrière une jeune fille qui a quelque chose de très très fort, avec une motivation très très forte, très très forte et un très grand charme, une très grande grâce personnelle. Alors, moi j'ai un problème depuis déjà le début de l'émission. C'est que j'ai Linda qui me susurre à l'oreille « Quand est-ce que c'est la Macarena ?» Parce que voilà, le problème, c'est que toutes ces jeunes filles et Linda, depuis quelques jours, s'entraînent en écoutant la Macarena. Alors, moi, je ne sais pas danser la Macarena. Je vais donc les laisser faire et on va faire pour que je puisse poursuivre à peu près sereinement la suite de cette émission, nous allons leur offrir un instant de Macarena. Vous Linda, allez nous accompagner, Frédéric. Hein? Linda, c'est ça, la Macarena. Qu'est-ce qui chante, ça? C'est le Macarena. Groupe Sol del Mar. Alors, les voilà, la Macarena. Et puis moi, je vais soigner mes rhumatismes. Voilà. Mmh.
Je pense que ma mère est persuadée que je fais des émissions culturelles à la télévision. Me voyez danser la Macarena. Enfin. Bon. Maintenant nous sommes bien amusés. Moi, il faut que je reprenne mon souffle parce que moi j'ai l'impression de danser la Macarena comme Jean-Marie Proly à côté de vous. Vous voyez, je veux dire, c'est vraiment. Non, mais vous êtes très très bien débrouillé. Je fais des progrès quand même. C'était très très bien. Pas si mal. Bon. Alors écoutez, je vous laisse les clés là. Je crois qu'on va parler de photos, c'est ça? Pour un mannequin, l'une des choses importantes. Outre le défilé dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est effectivement la photo. Voilà. Et il n'y a pas de photo sans photographe et pas de grande mannequin sans photo. Bah oui. Alors justement, nous avons ce soir la chance d'avoir avec nous, vous allez la découvrir, mais vous allez d'abord la regarder à travers un petit film qui lui est consacré et vous allez découvrir ensuite. Il s'agit de Diane Heidkruger. Diane Heidkruger. Regardez-la, elle en vaut vraiment la peine. Aujourd'hui, c'est pas vraiment la beauté qui compte,
ça a quand même beaucoup changé. Comme moi, je ne suis pas du tout le mannequin typique même. Ça donne beaucoup de chance à des filles parce que qui a vraiment la physique parfaite. Les filles aujourd'hui sont beaucoup plus chance. Et c'est vraiment un métier comme tous les autres. C'est vraiment on est un produit pour l'image qu'il faut travailler pour. Et il faut bien garder aussi sa tête sur les épaules, je crois. J'ai commencé, j'ai fait des premières photos. Quand je les vois aujourd'hui, je trouve horrible. Ça s'apprend vraiment, de l'apprendre des expressions, ça s'entraîne aussi. On ne peut pas vraiment donner des conseils, je crois que c'est avec du temps. Mesdames et messieurs, vous pouvez faire un grand salut à Diane Aitkruger, qui est certainement l'un des mannequins les plus photographiés actuellement pour ses qualités de professionnalisme et sa beauté. Diane va jouer pour vous une petite scène. Ok. Je commence là. Okay. Yeah. Ok, not now. Yeah, good. Ok, Diane, yeah, good. Ok, fine, ma. Thank you. Right. Bien, c'est parfait. Bien, bien, bien. Bien. Bien, nice. Perfect. Bien, turn around. Good. Bien. Down. Good. Bien. Yeah, perfect. Mark, could you fix again the hair, please? Mark, could you fix? Yeah, it's okay. Yeah. Yeah, that's okay. Let's go. Thank you. Good. Perfect. Yeah. Come on. Yeah. Allez, venez nous retrouver. Good. Diane Aitkruger. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, Diane. Bonsoir, Diane. Diane, on est très heureux de vous recevoir avec Inès. Et parce que c'est... Enfin, parce que vous êtes exquise, hein. Tout à fait. Comment êtes-vous devenue mannequin? Parce que je crois qu'au départ, ce n'était pas ça qui était prévu. Non. En fait, moi aussi, j'ai fait ce comté il y a 4 ans. Oui. Et pour moi, c'était un peu déprimant. Oui. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas du tout comme les autres filles. Tout le monde était grande et belle. Et ça m'est vraiment... Mal. Non, mais bon... Vous étiez belle. Non, mais moi, je me sentais vraiment moche. Je rentre pas très bien dedans, je trouvais. Oui, oui, oui. Et donc, après ce concours, j'étais pas sûre si je voulais faire. Et avec du temps, j'ai appris de m'aimer moi-même et je crois que c'est très important. Est-ce que je crois que vous avez une formation de danseuse avant? Oui, j'ai fait 12 ans du ballet. 2 ans de ballet. Et ça vous sert, vous pensez? Moi, je crois parce que je me sens bien avec mon corps. J'aime bien bouger, de faire des expressions assez fortes. Diane, les photographes vous adorent. Ce qui explique l'essor que connaît votre carrière depuis quelques années. J'imagine que vous aussi, vous adorez certains photographes. Oui, c'est clair. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment adorables, même pas des photographes, des coiffeurs, des maquilleurs qui sont très importants. Et qu'est-ce qui est génial dans ce métier, qu'on raconte tellement de gens, et c'est tellement agréable de travailler chaque fois avec des personnages différents. Alors Diane, je vous propose justement de voir un petit peu, de retrouver un petit peu cet univers que vous aimez, dont vous parlez si bien. Et de voir un petit peu ce qui s'est passé, de voir tout à fait, même pourquoi je dis un petit peu, de voir tout à fait ce qui s'est passé au cours des journées qui se sont écoulées avant cette finale. Alors là, il y a encore un horrible mot. On va regarder le making of, en quelque sorte, le florilège des meilleurs moments de la semaine passée. D'accord. Merci beaucoup, merci Diane. On regarde ça ensemble. Merci, Diane. Merci avec nous, avec Alors, quand le spectacle commencera, il faudra que vous soyez parfaitement au point.
Il faudra vous concentrer essentiellement sur la victoire. Worry about the winner. C'est bien les filles, mettez-vous en place, vous continuez, vous avancez, c'est parti. Only you. See the rhythm all in their feet. Life is good, wild and sweet. Let the music play on, play on, play on. All night long. Christine, what's her number? Journée passée avec les 79 candidates de cette compétition. Juste avant que ne nous parviennent les enveloppes désignant les 15 lauréates, je vous propose de voir encore pour un instant les 79 candidates ensemble. Il y avait les demoiselles de Rochefort, voici maintenant les demoiselles de Nice. Et voici. Thank you.
Désigner les 15 lauréates parmi les 79 mannequins qui se sont présentés ce soir, j'appelle Inès Rivero, Diane Ed Kruger et Linda Hardy. Alors, c'est un moment qui est une réelle solennité pour toutes les jeunes filles qui sont là, en train d'attendre. Vous les regardez, elles vous regardent. C'est une chose importante pour elles qui est en train de se décider. Elles ont fait un grand voyage, elles ont vécu de beaucoup d'espoir, elles ont rencontré beaucoup de gens. Elles ont écouté beaucoup de conseils, elles se sont aussi beaucoup construites, elles ont beaucoup changé. Et pas uniquement parce qu'elles ont été, comme on dit, relookées. Elles ont beaucoup changé à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles sont là maintenant devant vous, elles attendent beaucoup du résultat qui va être donné. Donc je pense qu'il faut vraiment les applaudir et il faut vraiment qu'elles sachent aussi que lorsque l'on applaudit une lauréate, on les applaudit tout ensemble. Je suis sûr que Diane comprend très bien, et Inès aussi comprend très bien ce que je veux dire, parce qu'elles connaissent cette compétition. Alors, elles sont comme deux petits lutins en même temps, elles ont envie d'ouvrir. Alors, Inès, vas-y. Alors, les premières cinq finalistes sont... Attends, tu dis une après l'autre, hein? La première, le first one. La première. La primera, si. La première de tous. La première de tous. D'accord. Hayley... Macking. Macking? Hayley Macking, Angleterre. Hayley Macking, Angleterre. Les États-Unis. Jenny Fiddler, États-Unis. Vas-y, continue. Bon. La troisième s'appelle Tarina Young, de Canada. Voilà. Karina Young, Canada. Quatrième,
No, I will. Diana Kowalczuk. Diana Kowalczuk, que tu traînes. Et la cinquième, c'est Lauren Bowles, c'est les États-Unis. Lauren Bowles, c'est les États-Unis. Merci Inès. Diane. Voilà. Les cinq prochaines. C'est Olga Otrokoya de Russie. Olga Otrokova, Russie. La prochaine, c'est Gilles McCormick des États-Unis. La troisième, Nina Morić de la Croatie. La prochaine, c'est Maria Nassen de Suède. Pour moi, que j'adore, c'est Uyvala Ross de l'Inde. Linda. Alors, il en reste cinq. La première, Natasha Vojnovic, Yougoslavie. J'appelle maintenant Ana Beatriz Barros, Brésil. Il n'en reste plus que deux, j'appelle Sophie Benoît, France. Enfin, la toute dernière, Christina Rostad, États-Unis. De manière à ce que vous puissiez bien mémoriser le charme des 15 lauréates, je vais passer parmi elles et je vais demander à chacune d'entre elles de nous redire son nom et le pays d'où elle est originaire. Mais avant cela, je voudrais me tourner vers les 64 qui sont là et qui ont
passé un moment un peu cruel car plein d'espoir. Et je voudrais simplement leur dire que nous les aimons beaucoup. We love you very much. All of you. And bravo for what you did. Et bravo pour ce que vous avez fait. So, just tell me your name and the country where you are coming from. Dites-moi juste votre nom et le pays d'où vous venez. My name is Hayley and I'm from England. Hayley vient d'Angleterre. My name is Jenny and I'm from America. Jenny vient des États-Unis. J'ai absolument l'impression d'être comme le personnage de Joel Grey dans Cabaret, vous savez, quand il passait en disant money, 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 money. My name is Tarini Young and I'm from Canada. Tarini Young from Canada, English Canada, I suppose. My name is Diana, I'm from Ukraine. Diana vient d'Ukraine, Ukraine, Kiev. My name is Lauren and I'm from USA. Lorena vient des États-Unis, Lorena. My name is Olga, I'm from Russia. Olga vient de Russie, Karasho. My name is Jill and I'm from the United States. Joan vient des États-Unis, United States. My name is Nina, I'm from Croatia. Croatia, Nina. Ah, Nina vient de Croatie, de Zagreb. Maria from Sweden. Maria from Sweden. Ujjwala Rao from India. Cette jeune femme vient d'Inde. Natasha from Yugoslavia. Natasha de Yugoslavie. Ana Beatriz from Brazil. Beatriz de Brazil, Brazil. Lina from Lithuania. Nina de Lituanie. Sophie de France. Sophie de France, ah. I'm Christina from USA. I'm Christina from USA. Je pense que vous avez maintenant pu mémoriser un petit peu chacun de ces visages. Donc maintenant, pour que vous mémorisiez une deuxième fois les jeunes filles de la compétition filmée par les équipes de cette semaine et montées à toute vitesse pendant quelques instants. Les voilà. Je m'appelle Natasha, j'habite à Yougoslavie. Take your ring. Isn't it? Je m'appelle Maria et je viens de Suède. Never mind, I know this room is not a home. Je m'appelle Lina, j'habite en Lituanie. Less of love, think of me while you roam. Please, no strange. Je m'appelle Lauren et je vis à Suessa. Just another frame. There are things I believe. Never be told, no, no. But you're the only one I want to hold. Je m'appelle Christina et je vais dans les USA. If you get off the cold, precious thing, you know I love it such a world. Je m'appelle Diane et j'habite en Ukraine. You make the dizzy whispering in my ear. Soon my love to the next.
Je m'appelle Sophie, je suis française. Yes, rain. Keep the rain. Oh, my baby. Ain't it funny, right? Je m'appelle Haley. J'habite en Angleterre. But you're like me, you've known the road would be your home, girl. You know that. I hope I made you feel less alone. Salut, je m'appelle Nina et je viens de France. Je m'appelle Jill et j'habite au USA. You make me dizzy, whispering in my ear. J'habite Brésil. Je m'appelle Ana Beatriz, j'habite Brésil. Je m'appelle Torina, j'habite au Canada. Can be hard to keep the price I pay to learn. Je m'appelle Jenny, j'habite USA. Was just a thief, but still my love runs deep. Je m'appelle Olga, j'habite en Russie. You make me dizzy, whispering in my ear. See my love, you remember. Je m'appelle Uchuela et j'habite en Inde. Somewhere. No, it's a okay. I said right? Oh. Again? Oh shit. Brazil. Oh, it's not funny. Les 15 jeunes filles sont désormais prêtes à traverser deux épreuves qui sont clés et qui vont permettre au jury de définir quelles sont les trois principales gagnantes. Ces deux épreuves sont l'épreuve de photo. Et puis le... Et l'épreuve du défilé. Le défilé. Alors les 15 gagnantes, Linda, il faut déjà préciser qu'elles ont quelque chose d'important. Voilà, il faut préciser que les 15 gagnantes exerceront toutes le métier de mannequin. Évidemment, parmi elles, le jury en sélectionnera 3. Mais y a les 15, mais les qui 15 sont là... exerceront le métier de mannequin dès les mois à venir. Elles ont déjà la sécurité de faire au moins un an de travail de mannequin et un an de contrat devant elles. Alors on va commencer tout de suite. La première séance de photo. Allez-y. Thank you.
Des démonstrations d'enthousiasme dans les loges, dans les coulisses, ce qui est une chose qui est tout à fait touchante avec tout ce qui s'est passé depuis une semaine. C'est le formidable bon esprit qu'il y a entre elles toutes, et c'est très touchant de penser que là il y en a quand même 64 qui sont pas là et qui sont malgré tout depuis les loges en train de les encourager les 15 dernières. Ça, je peux te dire que c'est pas peut-être dans tous les métiers comme ça. Et c'est assez touchant. Alors, pour qu'on puisse les voir encore une dernière fois, pour que le jury qui est en train d'échanger ses bloc-notes, je vois que Patrick de Marchelier est en train d'écrire et de réécrire, pour que le jury puisse bien délibérer, nous allons demander à nos chères jeunes filles un petit numéro de danse. Et pour cela, nous allons recevoir Linda. Nous allons recevoir un groupe. Ce sont trois jeunes gens. Oui. Deux Cubains, un New-Yorkais. Ils forment le groupe No Mercy. Le groupe No Mercy qui arrive de Miami. Ils sont premiers dans toutes les boîtes en France actuellement. Ils ont suivi très attentivement les répétitions. Ce sont les Matou de la soirée, les jeunes filles vont danser pour eux. Et voilà. Where do you go, my lovely? Where do you go? I wanna know, my lovely. I wanna know.
I cried for you, baby. You gotta stop this heartbreak deep inside. You gotta help me make it through the night. Save me. Come back and save me. Where do you go, my lovely? Et qui sont dans toutes les boîtes actuellement, c'est le tube de la rentrée. Alors, je pense que pendant ce temps-là, nous avons pu voir arriver les enveloppes qui vont permettre de savoir qui sont les gagnants. Il y a un état d'excitation derrière, je peux vous dire. On sent les vibrations qui arrivent par derrière. Alors, nous allons appeler tout de suite l'un des membres de notre jury. L'une de nos marraines, la merveilleuse Karen Mulder. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors Karen, peut-être. J'annonce. Oui. Pas tout de suite. Si. On va annoncer tout de suite qui a gagné. Ici, on va regarder doucement en laissant un petit peu le suspense. Alors, la troisième place est pour Nina Moric de Croatie. Nina Moric de Croatie. Nous allons maintenant, pendant que Karen et Nina restent l'une près de l'autre, voilà, nous allons maintenant appeler Amber Valletta pour le nom de la deuxième. Amber Valletta. La deuxième. Ok. Anya Beatrice Barros. Brésil. Thank you.
Et maintenant, bien sûr... La grande gagnante. La grande gagnante. Alors, il faut rappeler que la jeune fille qui va remporter la compétition de ce soir se retrouve évidemment avec des atouts considérables, puisqu'elle a en somme l'équivalent de 3 ans de contrat en face d'elle, l'appui d'une énorme organisation. Et vraiment, pour elle, c'est une accélération extraordinaire dans sa carrière. Donc, je pense qu'il y a une certaine solennité. Il ne faut pas oublier, dernière fois, que toutes ces jeunes filles étaient, il y a 2 mois ou 3 mois, sans aucun contact avec le monde dont nous parlons ce soir. Donc, pour remettre ce prix, nous appelons le porte-parole du jury, John Casablancas, et le président... Monsieur Quincy Jones. John Casablanca, Quincy Jones. Alors, John, comment s'est passé ce jury 1996? D'abord, c'est un jury absolument fabuleux. Bien. Et ensuite, comme d'habitude, c'est incroyablement difficile. Et en tant que porte-parole du jury, je crois, je tiens à dire que cette jeune femme qui va être nommée va réellement recevoir beaucoup d'attention de la part des photographes, de la part des rédactrices de mode, et que c'est vraiment une décision très importante qu'elle a réellement devant elle. Un chemin fabuleux, ainsi que les 14 autres finalistes, et ainsi que beaucoup, beaucoup des autres finalistes. John, est-ce que c'était une bonne année? Ah, c'est un très grand cru. Ah, c'est un très grand cru. Ah, absolument, absolument. Ah. Et je crois que mon rôle consiste maintenant à remettre à Quincy l'enveloppe où il va faire son annonce. Oui, mais pour que nous soyons encadrés d'encore un petit peu plus de... de solennité, on va demander aussi à Inès Rivero et à Diane Edkruger de venir nous rejoindre parce qu'elles nous ont bien accompagnés ce soir. Et je vais également demander à la gagnante de 1995, Sandra Wagner, de se joindre à nous. Voilà. Quincy, John, vas-y. This is the envelope. It's your time. La gagnante. The winner is... The winner is Diana Kulichuk from Ukraine. Diana Kulichuk. Venez nous retrouver toutes. Come to meet us. Venez nous retrouver toutes. Venez toutes nous retrouver. C'est donc Linda qui gagne. Linda qui vient de quel pays? Ukraine. Linda qui gagne, qui vient de l'Ukraine. Je pense que nous pouvons... applaudir une dernière fois avant de nous séparer ce soir, l'ensemble
des candidates qui ont été avec nous. Linda. Est-ce que tu peux te mettre à côté de... Attendez, pas trop près, pas trop près. Ainsi s'achève le modèle. Ainsi s'achève le modèle 96. Ainsi s'achève le modèle 96. Rendez-vous à l'année prochaine. Merci aux membres du jury. Bravo, Linda. Bravo aux deux autres gagnantes. Et bravo à nous tous. Bonsoir et à l'année prochaine.